Mardi 16 mai 2023, la 76e édition du Festival de Cannes s'est officiellement ouverte à l'issue d'une cérémonie présentée par l'actrice française Shaira Mastroianni, qui fut diffusée en direct sur France 2. Ce jour-là, la star hollywoodienne Michael Douglas était présent sur la scène du Palais des Festivals de Cannes, afin de recevoir une palme d'or d'honneur, pour récompenser l'ensemble de sa carrière. Très ému, le mari de Catherine Zeta-Jones ne fut toutefois pas la seule vedette américaine à recevoir un tel trophée depuis le début du Festival de Cannes 2023. En effet, deux jours plus tard, ce fut au tour d'une autre légende d'Hollywood d'être honorée par les organisateurs du Festival de Cannes. Jeudi 18 mai 2023, Harrison Ford s'est lui aussi vu attribuer une palme d'or d'honneur pour récompenser l'ensemble de sa carrière. Ce jour-là, l'interprète du célèbre personnage d'Indiana Jones était présent sur la croisette pour présenter le cinquième volet de cette immense saga cinématographique, baptisée Indiana Jones et le cadran de la destinée. Pour l'occasion, l'acteur avait revêtu son plus beau costume pour se présenter sur le tapis rouge. Il n'était d'ailleurs pas venu seul, étant donné que sa femme Calista Flockhart l'a accompagné sur la croisette. Cannes 2023, Harrison Ford et sa femme séparés lors de la projection du nouveau film de l'acteur après avoir monté les célèbres marches du Palais des Festivals de Cannes, le couple s'est rendu à l'intérieur de la grande salle de projection afin de rejoindre les places que les organisateurs leur avaient attribuées. Si est-il justement à ce moment précis qu'un gros malaise s'est produit entre Harrison Ford et son épouse. Alors qu'il venait d'arriver juste devant son siège, l'acteur a constaté qu'aucune place n'avait été réservée pour sa femme à côté de lui. En fait, la place de Calista Flockhart se trouvait dans le rang situé juste derrière celui d'Harrison Ford. Après avoir regardé son épouse avec un air particulièrement gêné, Harrison Ford a pris place sur son siège, tandis que Calista Flockhart est allée rejoindre le sien derrière lui.